beaucoup, mes premiers. J'espère que vous allez très, très bien. Qu'ils vous souviennent, il y a quelques jours, l'artiste coupé décalé, Bomiso Nadej, alias Vital, faisait un post sur Facebook. Post dans lequel la diva du coupé décalé disait en substance ceci. Mon général, explique-moi très bien ce qui se passe avec la voisine, faisant bien sûr allusion à Créole. Et elle continue en disant, tu as fait un post ce matin, j'ai pas bien compris. Alors l'artiste gabonaise Créole répond finalement à Vital. Suivez. De m'informer aussi sur comment ça se passe ici. C'est une glosseuse, c'est une fantastique glosseuse ici en Côte d'Ivoire, tu vois. Et du coup, bon, moi je me balade sur la page du général Makosso de la gloire. C'est-à-dire que c'est un peu, je suis un peu sa chouchou ici, hein. Faut voir ça. Faut voir vous-même. Je suis un peu sa chouchou. Un peu, il poste un peu mes photos là-bas, il glosse un peu avec mon nom là-bas. Hein? Quand il voit que je parle d'un sujet qui me tient à cœur, il relaie automatiquement le sujet parce qu'il y a une connexion, il y a une symbiose. Il y a une symbiose, il y a une connexion en fait. Vous voyez un peu ce genre de personne avec qui il y a vraiment une connexion de la gloire, quoi. Le général Camille Makosso et la fantastique diva. Vous-même, vous voyez, ce n'est pas moi qui parle. Vous-même, vous voyez. Donc, le général a posté ça. Oh, ma reine, oh, ma douce, oh, ma consolation, oh, ma conseillère, oh, 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 oh. C'est là. C'est-à-dire, quand je me balade et je tombe sur ça sur Facebook, genre, ça me fait trop plaisir. Ça me va, genre, droit au cœur. Voilà, nous sommes toutes des... Enfin, nous ne sommes pas toutes des femmes, il y a des mecs là, mais bon. Les filles, vous savez de quoi je parle. Vous savez, quand un homme vous montre de la considération, ça fait... ça glosse, en fait. Ça fait glosser. Ça fait glosser. Du coup, je n'ai même pas fini de profiter bien du gloss de ce poste. Je vois la vitale. La vitale. Elle vient écrire « Mon général ». Et puis elle fait comme ça. Les gens, ça c'est quoi? Parce qu'il faut se dire la vérité. On est tous des Africains. On se connaît. On se comprend entre nous. On n'a pas besoin d'écrire mon général. Ça c'est même quel connerie que toi tu poses comme ça là. On n'a pas besoin d'écrire ça. On n'a pas besoin. Ça dit le smile seulement te montre ce que la personne veut dire en fait. Tu vois? Genre mon général. C'est quoi ça? C'est quoi la connerie? Parce que moi, je traduis ça, oui. Je traduis les smileys dans une phrase. Oui. Oui, oui. Donc, je suis venue répondre aux commentaires des Vita. Parce que moi, je ne tarde pas. Moi, c'est action-réaction. Tu me gifles, je te gifle. C'est le réflexe. Tu m'attrapes, je t'attrape. C'est le réflexe. Vous-même, vous connaissez ma ligne. Moi, je ne suis pas une personne qui va venir. Voilà. Tu me touches, je te touche, c'est le réflexe. Moi, je suis comme ça et je ne vais pas être autrement parce qu'il faut glosser une image par là-dedans, en fait. Et ça, vous le savez très bien. Donc, je suis tellement venue répondre aux commentaires. J'ai mis ça là. Voilà, créole. J'ai dit, Vital, n'essaye même pas. Ce que tu veux essayer là, ne le fais pas. Ne le fais pas, ma chérie. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis une bapounou et je suis très grossière. Voilà. Donc, ne le fais pas. Va demander à Eunice. Elle va te dire. Elle va te dire toi-même qui est Makaya, qui est Moussitou. Elle te dira toi. Donc, il ne faut même pas essayer, mon bébé. Tu as compris? Je n'ai pas fini de parler. Vital est parti poster un post sur sa page. C'est-à-dire le commentaire là, elle n'a pas bien compris. C'est ce que j'aime pas avec moi souvent. J'essaie de m'exprimer, mais je n'arrive pas à m'exprimer. Souvent, j'essaie de dire les choses, mais je n'arrive pas à dire les choses. On ne me comprend pas. Donc, le commentaire que j'ai dit qu'elle n'essaye même pas là, elle n'a pas compris. Elle est partie poser alors que... Mon général, explique-moi très bien ce qui se passe avec la voisine. Ça dit, c'est moi la voisine. Ça dit, voisine qui est un mot simple. Un mot sans palabre, sans histoire. Voisine. Un mot
tranquille, un mot doux, voisine. Quand je lis ça sur le pot de Vital, ce n'est plus un mot tranquille en fait. Je vois ça maintenant bizarre, je ne comprends pas. Je vois maintenant voisine là comme si c'était quelque chose. Ça c'est le moza moza. Le moza moza interprète voisine. Dis maintenant que ma fille, ce n'est pas le voisine que tu parles là. Ce n'est pas ça. Il y a autre chose derrière. Creuse. Commence à creuser. Ma chérie, je ne vais pas creuser. Oh. Parce que si je creuse, c'est que je vais déterrer. Personne ne peut s'en sortir. Personne. Je lis. Explique-moi très bien ce qui se passe avec la voisine. Tu as fait un post ce matin. Je n'ai pas bien compris le sens. Tu es convoqué ici. Ça y est? Voilà. Donc, le général, c'est-à-dire mon général Camille Makosso, le mien, il doit maintenant aller s'expliquer. Parce qu'il a dit, ma douce, ma reine, ma consolation. À mon sitôt. Donc, moi, on ne doit pas me faire aussi ce genre de petits gloss-là qui me rend, qui me moustille un peu. Non. Quand on me fait ça, je dois avoir des messages comme il faut venir donner des explications. Tu dois s'expliquer sur quelle partie vitale. Vital, je t'appelais combien de fois? Bon, je vais te dire ce que j'ai dit à Eunice quand Eunice a commencé ce truc-là. Je précise qu'avec Eunice en ce moment-là, hein, ça glosse très fort. On s'entend vraiment très bien. Mais je vais toujours répondre au même poste parce que moi, on me dit souvent que je cherche le buzz. On me dit souvent que j'aime les problèmes. On me dit souvent que je suis quelqu'un, vraiment, j'aime les problèmes en fait. On me dit ça, ma chérie. On me dit souvent ça. Mais je vais quand même venir avertir devant mes fantastiques. Si tu veux un petit clash, un petit buzz, un petit truc pour bousculer, parce que les réseaux là, il faut souvent bousculer ça, ma chérie. Les réseaux que tu vois Facebook là, quand ta page est trop Sainte-Catherine, c'est pas bon. Quand ta page est trop la petite fille du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas bon. Mieux tu décantes un peu, tu vois un peu. Souvent tu bouscules un peu. Tu vois, non? Comme ça les abonnés sentent que ouais, la page là, quand on va là-bas, ne s'ennuie pas. Tu as vu? Il ne s'agit pas seulement de poster les jolies photos maquillées comme un camion volé. Ou je ne sais pas, les tenues de la gloire, les tissages de la gloire, les poids de la gloire. Regarde, il ne s'agit pas seulement de ça. Souvent, il faut un peu dégamer quoi. Donc, si tu veux dégamer, moi, je te donne un conseil. Vois-moi. Tu n'as pas mon numéro, mais passe par le général. Il a mon numéro de téléphone. Ou tu dis que bon, mon général, viens, on organise quelque chose avec la fille Bapounoula, la petite Gabonaise. On peut essayer de se bousculer. Comme ça, là, on vient sur Facebook. Hein, on crée le ring. On se fracasse. On peut même sortir même un ring réel même. Ici, là, quelque part, même à Yopougon. Ou bien, ou là. On se dame. Les pages Facebook, là, vont se bombarder. Je t'ai dit qu'on aura même 2 millions d'abonnés, 2 millions d'abonnés de plus. Faut pas négliger ce que je t'ai dit là. Je te parle là, ça avait le cœur. Si tu veux qu'on glosse un peu, contacte le général, il va me voir. On va s'asseoir quelque part en cachette. On finit de s'arranger. Quand on revient là, sur Facebook là, tu regardes à gauche, je regarde à droite. Comme ça ne s'est jamais vu. Ça c'est le conseil que je te donne. Sinon, il faut me laisser. Quand je dis faut me laisser, laisse-moi tranquille. Parce que là, je suis bien. Le moza moza, je l'ai mis à genoux. Le Mozragor, je l'ai mis à genoux. Que laisse d'abord. Faut me laisser Vital. Laisse, on me fait les compliments. Parce que ton mariage avec ton chéri du clip là, ça là, c'est un buzz. Hein? Ça veut dire que moi-même, en tant que quelqu'un d'Internet, de Facebook, je devrais pas venir parler l'affaire là ici. Mais je n'ai pas parlé. J'ai la boîte un peu laissée en fait. Et puis le général a soulevé le dossier. Tu sais que quand le général Makosso soulève un dossier, c'est compliqué de venir encore
surenchérir en fait. Le général a pris le dossier, il a calé ça. Sinon, j'allais soulever ton affaire du faux mariage là. Que donc tu fais le clip, tu sors du clip pour venir dire que tu es maintenant marié dans la vraie vie. Un peu, les femmes s'impliquent, les gens s'impliquent. Après, c'est pour venir, oh, c'était le buzz, c'était le buzz. Ma chérie, la reine du buzz, c'est moi. C'est-à-dire, celle qui connaît la mamaille d'Internet, de Facebook, c'est moi. Ne suis pas ce qui se passe en ce moment-là que je ne fais pas les directs, là, ma chérie. C'est parce que je suis concentrée ailleurs. J'envoie toute mon énergie ailleurs. Ma concentration, je prends ça. Je mets ça ailleurs, ma chérie. Voilà. Donc, si tu ne veux pas t'arranger, faire un truc propre, qu'on bouscule bien les réseaux sociaux, mais quand par derrière, on soit copinette, il faut me laisser. Si tu ne me laisses pas, ce n'est pas bien. Il faut demander à Eunice, parce que j'ai dit à Eunice que Eunice, laisse-moi, elle m'a parlé, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu, elle a insisté, elle a fait les collages. Et à la suite de ça, le Moza, le Mozrago est sorti. Waouh, versé sur Facebook, ma chérie. Donc, calme. Ne venez pas dire après que Moussi, tu n'as pas averti. Moi, j'avertis toujours. Parce que quand ça pète, quand les gens me disent que oh, créature, tu commences à être ridicule, machin, moi, je m'en fous, hein. Ça dit qu'on oh, tu n'as pas besoin d'aller jusque-là, insulter comme ça, faire ceci, faire cela. Tu n'as pas besoin de ça, machin. Moi, je m'en fiche quand les gens me disent ça. Ça rentre là, ça sort par mon tchomou dimbou. Je m'en fous. Le ridicule est moi. L'immaturité est moi. C'est même pas mes mères. Je m'en cogne les roubignoles, maman. Donc, ne viens pas dire que Créole n'a pas parlé. Qu'on n'a pas averti. Les fantastiques, je vous prends à témoin aujourd'hui là. On m'embête. J'avertis. Je ne parle pas. Je ne réagis pas d'abord. J'avertis d'abord que ma chérie, il faut laisser la partie là. Si tu veux faire un truc intéressant, mettons-nous en marmailleuse. On vient en marmaille, les internautes. Parce que les internautes là, ils sont là, ils se réveillent le matin. Ils attendent qu'on les marmaille. Ils attendent une marmaille qui tombe sur leur tête et ils rentrent dedans. Patauger. Donc, il faut venir, on a qu'à mamailler. Maintenant, si tu veux faire le genre là, que tu veux demander les je ne sais pas. Tu veux demander on dit quoi? Demander quoi? Tu veux demander les explications, merci. Tu veux demander les explications parce que moi, on me fait les compliments, ma chérie. Vital, une fois. Vital, deux fois. Vital, trois fois. Je t'appelais combien de fois? Il faut laisser. Et les gens qui me disent dans les commentaires que oh, faut même pas essayer. D'abord, tu es en Côte d'Ivoire, tu veux plus retourner au Gabon. Ça, c'est pas mon pétard, gars. C'est pas mon problème, moi. Même si je vis dans un cimetière, maman. C'est pas mon problème. Tu comprends? Quel que soit l'endroit où je suis sur la planète Terre, la planète où Dieu m'a déposé là, quel que soit l'endroit où je suis, si tu m'emmerdes, c'est comme j'ai dit, tu me gifles, je te gifle, c'est le réflexe. Je m'en fous de les Ivoiriens au Gabon. Beaucoup. Et les Ivoiriens, moi j'ai des amis Ivoiriens au Gabon, ils vivent là 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc ne venez pas me parler. Si tu m'emmerdes, je t'emmerde en fait à un niveau où tu auras le vertige. C'est simple. On n'a qu'à se comprendre. Fin du game. Voilà. Ok, on va passer à la suite. Je vous ai dit, Vital, c'était la partie moins importante de ce direct parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et des choses très, très intéressantes ce soir. Voilà. Vital reviendra en conclusion dans ce direct parce que je dis bien, j'ai quelque chose à te dire, Vital. Il faut rester jusqu'à la fin du direct. Comme ça, tu vas entendre ma conclusion. Ok, on va faire la suite. Continuez de partager hein, le temps que vous regardez là.